Salut tout le monde. Ben voilà, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, changement de moyen de transport, on passe à vélo. Moi je le trouve assez beau, surtout un magnifique casque avec des fleurs et des cœurs. On part de Antanas et on va jusqu'à Fromista aujourd'hui, ce qui représente une trentaine de kilomètres à peu près. Donc, alors, on n'est pas habitué au vélo, donc 30 km on va pas les faire rapidement, donc je te propose de partir direct. On est arrivé dans le couvent de Saint-Antoine. C'est pour ça qu'on s'est arrêté là parce que c'est un prénom magnifique. C'est pour ça qu'Antoine nous a amené ici. Oui. Quelles sont tes impressions? C'est très joli, c'est vraiment très très joli, et puis ça fait du bien une petite pause après cette matinée de vélo qui était ma foi assez fatigante. Après Castro Relis, il y a une grosse montée, non? Je ne sais pas. Hein. Il m'a semblé. Non, c'est seulement difficile, c'est cette partie-là. Là. Alto de Mostelares, mais après, c'est facile. Ah, après oui, mais ça c'est difficile. Non, mais... Si c'est trop difficile, je descends de la vélo et je camine. Just like a thousand times before, on a thousand other days. Et voilà, enfin arrivé à Léon. Alors on est ici devant un monument emblématique de la ville, c'est l'ancien couvent. Et ça tombe très bien parce que ce monument, maintenant on peut y dormir, c'est un hôtel. Watched it flow away. I just stood and watched the river.